Alors ici Popolo Boy, entrepreneur, agent du changement, donc en direct de la radio, donc réelradio.fm. On vient de faire donc une petite capsule éducative sur la vie limitée, concept révolutionnaire qui change votre vie pour toujours, qui vous donne des outils pour changer, donc la santé pour toujours et aussi vous ouvrir la porte pour le succès et la réussite personnelle. Soyez le PDG de votre vie ou bien quelqu'un d'autre le sera. À bientôt. Réflexion actuelle, Patrick Opus avec vous ce soir, en compagnie de mes invités. Et, donc c'était Pierre-Jacques Ville, première partie d'émission, qui est toujours avec nous en studio. Et on a été rejoint par Popolo Boy, qui est cet entrepreneur, communicateur et en quelque sorte, je peux dire, vendeur de rêves. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Je ne sais pas. Mais mentor qui est avec nous la fois précédente. Et qui est encore avec nous, donc, Popolo Boy, comment allez-vous? Très bien, merci, très bien. C'est ça, donc, heureux de vous accueillir une fois de plus. Alors, c'est ça, bon, la dernière fois avec vous, et puis je te tutoyais aussi parce qu'on se connaît, quoi, ça va être un peu plus facile. Ce qu'on avait commencé à voir, c'est vraiment, en quelque sorte, le système d'alimentation mondiale tel qu'il existe actuellement, et comment il est malsain. Et on avait pu voir qu'avec les modes de commercialisation, les entreprises multinationales et autres, et c'est une alimentation qui est souvent artificielle et qui est très nuisible pour la santé. Et tu nous avais bien fait voir les conséquences, l'impact de tout ça, et notamment, et même dans les pays du tiers-monde, on a, et en Afrique, en Haïti notamment, 40% des enfants qui meurent en bas âge à cause de ces problèmes-là. Et puis les maladies des temps modernes qu'on connaît, cancer et autres, et maintenant c'est en grande partie dû à ce mode alimentaire. Donc c'est ça, Popolo Boy, ce qu'on avait vu avec toi, c'est-à-dire que tu es partenaire d'une entreprise, Exige International, et vous développez un concept que je vais quand même rappeler ici, qui est le concept de vie limitée, qui repose donc sur les quatre piliers, donc la nutrition, très important, la liberté financière, le développement personnel et la vie active. Wow. Donc j'ai bien appris ma leçon. Ouais, leçon bien apprise. Wow. Ben, c'est fantastique, je n'ai absolument rien à dire là. C'est ça. Donc voilà, donc on va poursuivre. Donc tu vas nous en dire plus et nous parler justement de ces solutions auxquelles vous avez pensé pour pouvoir permettre aux gens de reprendre leur santé en main. En fait, c'est ça. Et pour avoir une qualité de vie un peu plus saine, quoi. Oui, absolument. Ben, merci pour l'introduction et puis pour la question. Donc, vous avez très, très bien, enfin, tu as très, très bien résumé. On va se tutoyer aussi aujourd'hui. C'est simple. Le problème, évidemment, donc, qui touche à la vie, en fait, le noyau de la vie aujourd'hui, on va dire que l'espérance de vie est affectée par, en fait, tout ce qui se passe au niveau de la chaîne alimentaire et tout ce dont on a parlé, et comment est-ce que le corps humain est réellement dans un déclin. Et ça, c'est partout dans le monde, je veux dire, dans tous les pays du monde, on a des problèmes très, très sévères. Je veux dire, on regarde au Canada, on a 9 millions de diabétiques sur 30 millions d'habitants. Donc, c'est quasiment une personne sur trois au Canada qui est affectée par ça. On a des millions de cas de diabète à travers le monde. Et ça, c'est juste un petit exemple parmi tant d'autres. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que, bon, on a un concept incroyable. Et à travers, cette solution que nous apportons au niveau de la nutrition, donc on a cette solution-là qui a la capacité de pouvoir non seulement restaurer le noyau de la vie, d'ailleurs redonner aux gens donc, un sens de la santé et de la vie qu'on n'a pas connu depuis des années, mais aussi dans les prochaines émissions et tout, on pourra parler de l'aspect économique qui est très très important. Parce que c'est quoi une économie? Une économie doit avoir des ressources renouvelables et tout, et des ressources qui sont utilisées pour combler des besoins. Et si on peut avoir des besoins, si on peut combler des besoins, à grande échelle, définitivement, donc on a une opportunité financière, on a une opportunité économique donc intéressante et importante si on peut le faire. Et on va toucher un peu à cet aspect-là aussi, dans le sens que non seulement cette ressource naturelle qui est là, qui existe, que je vais mentionner dans quelques instants, nous donne aussi des opportunités et des ouvertures pour que ça devienne aussi un impact économique. Donc les deux vont ensemble. Absolument, parce que si on parle justement de l'industrie alimentaire mondiale,
hein, et de tout le côté pervers, là, malsain qu'on a mentionné. Et c'est l'impact que ça a, c'est parce que les individus, les gens en général, dépendent de cette industrie alimentaire. Donc, en quelque sorte, il faut s'en libérer. Hein, donc, il y a un aspect économique là-dedans, c'est-à-dire absolument. Avoir une certaine liberté économique pour pouvoir avoir mieux organisé sa vie et se rapprocher un peu plus de la nature. Là. Donc, absolument. Se libérer du poids de cette industrie. J'aime bien ce point-là. Donc, développer une liberté économique, et avec une liberté économique, justement, on peut se détacher, donc on n'est plus prisonnier de ce système. C'est un très bon point, je ne l'avais pas vu dans cet angle-là, mais c'est vrai que la liberté économique ouvre des portes et on est capable de réellement de s'offrir beaucoup plus de choix et beaucoup plus d'options, et on est capable de vraiment, donc, si on a ce désir-là, de vraiment prendre soin de notre santé et puis notre style de vie, donc on peut vraiment le faire. Et la ressource naturelle dont je parlais, c'est tout simplement donc le Moringa oleifera. Et c'est quoi le Moringa oleifera? C'est un arbre. Le Moringa, on l'appelle l'arbre miracle. Certains l'appellent l'arbre de la vie. D'autres l'appellent l'arbre du paradis, etc., etc. Alors, le Moringa existe depuis des milliers d'années. C'est un arbre qu'on dit qui est originaire donc, de l'Asie, en fait, donc de l'Inde, la région de l'Himalaya. Mais il a aussi des origines aussi dans l'Afrique et dans les pays en fait avec un climat tropical. Et le nom peut parfois varier dans certains pays et tout, donc le nom va changer, mais généralement on le reconnaît comme Moringa. Par exemple, on a mentionné Haïti tout à l'heure, en Haïti, le Moringa s'appelle le benzolive. Voilà, certaines personnes l'appellent la feuille d'olive, etc., ou la feuille Gabriel et tout. Donc en fait, chaque pays va avoir son appellation par rapport à c'est quoi en fait cet arbre miracle, qui existe depuis des milliers d'années en fait. Hein. Il y a des références au Moringa qui remontent même aux Écritures, on peut le retrouver, il y a des extraits de la Bible même qui font référence à cet arbre, ce bois qui peut rendre l'eau douce, mais ça nous fait penser à quoi? Aux graines du Moringa qui purifient l'eau, parce qu'en fait c'est un aspect écologique important, les graines peuvent purifier l'eau et en l'espace d'une heure l'eau devient potable et on peut la boire, et ces fameuses graines, en parlant d'eau douce, quand on les mâche, ça laisse un goût amer dans la bouche, mais quand on prend un verre d'eau après, notre bouche est sucrée toute la journée. Donc on a ce goût sucré dans la bouche, c'est incroyable, c'est comme un miracle, je veux dire, on boit de l'eau et la bouche est sucrée. Et c'est ça le Moringa, c'est extraordinaire. Alors chaque partie de l'arbre sert à quelque chose, de la racine à la tige, aux feuilles, à l'écorce, aux graines, au gâteau des graines, au jus de fruits, aux fruits. Chaque partie de l'arbre donc, a un rôle à jouer en termes de nutrition, en termes des éléments qui soutiennent la vie et en termes aussi d'écologie aussi. Alors on nous dit que dans le Moringa on a 46 antioxydants, et ça c'est tout simplement du jamais vu, on a 36 anti-inflammatoires, et quand on pense qu'on vit dans une société où on a toutes ces explosions de cancer et des maladies chroniques et tout, et tout d'un coup on a cet arbre, cette plante en fait, cette structure botanique qui nous donne naturellement 46 antioxydants, c'est du jamais vu. Si on dit antioxydants, ça nous fait penser aussi aux anticancérigènes. On a 36 anti-inflammatoires. Et quand on garde en tête que beaucoup de maladies sont le résultat d'une certaine forme d'inflammation au niveau du corps, que ce soit le diabète, l'hypertension, que ce soit les maladies du cœur, le cancer, les maladies neurologiques, les maladies pulmonaires, c'est dû à des formes d'inflammation à l'intérieur du corps. Et ça c'est un point vraiment fondamental, parce que on a beau avoir une vie saine et essayer de manger naturel et tout ça, mais l'atmosphère telle qu'elle est organisée, l'atmosphère dans le monde actuel, c'est-à-dire on est constamment confronté à la pollution. Donc on ne peut pas vivre comme dans une tour d'ivoire, on est obligé de prendre les rues, etc. On respire et on... Donc l'une des solutions, c'est de se protéger. Et je crois que le Moringa, avec tous les antioxydants qu'ils ont, ça permet quelque part de se protéger un petit peu contre... Absolument. Et il n'y a aucune structure botanique qui peut nous offrir autant d'antioxydants naturellement dans des proportions très très concentrées. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir avoir 46 antioxydants, 36 anti-inflammatoires. Ça nous donne même tous les oméga. On a tous les oméga là-dedans, les 3, 6 et 9. On a aussi dans le Moringa 20 acides aminés, incluant les 9 acides aminés essentiels que notre corps ne produit pas, mais aussi que la chaîne alimentaire ne fournit plus. Les 9 acides aminés essentiels qu'on a dans le Moringa, la chaîne alimentaire ne l'a plus fourni aux gens depuis plus de 50 ans. Et si on ne le retrouve pas dans le Moringa, on ne va pas l'avoir ailleurs. Et ça c'est vraiment important. Et on a dans le Moringa plus de 92 nutriments, vitamines et minéraux, c'est du jamais vu. Donc quand la science d'aujourd'hui nous dit que c'est l'arbre miracle, et on a toutes sortes d'organismes
à travers le monde, en fait, qui vantent les mérites du Moringa. Et on peut citer l'Organisation mondiale de la santé, on peut citer l'Institut national de la santé des États-Unis, on peut citer l'Université Johns Hopkins, qui est la numéro un au monde pour la recherche contre le cancer, UNICEF, etc. Donc, des centaines d'organismes à travers le monde sont tous alignés derrière cette recherche sur le Moringa. Et quand on va sur Internet aujourd'hui, on peut retrouver des milliers et des milliers et des milliers d'articles sur le Moringa. Il y a des sites web comme PubMed.gov, qui est un site américain, Public Medicine, donc médecine publique pour un gouvernement. C'est un site américain qui ressemble à Pas Santé Canada. Et là, on retrouve quoi? Ben, plus de 16 000 articles sur les bienfaits du Moringa. C'est incroyable. Et voilà. Et nous venons avec une compagnie qui a pris du temps, de plusieurs années de recherche, et qui nous offre en fait ce produit-là. Et ça sera le sujet des émissions à venir. Mais aujourd'hui, on va juste tourner un peu autour de ce qu'on gagne avec cette nutrition qui a le pouvoir de changer la vie pour toujours. Le Moringa nous donne aussi, en plus de cet aspect des éléments qui soutiennent la vie, on a aussi dans le Moringa donc, l'équivalent nutritif, d'après ce que nous dit le magazine National Geographic. Ils nous disent, dans un article qui a été publié en 2012, au mois de novembre 2012, que les feuilles séchées du Moringa sont l'équivalent de 7 fois la vitamine C des oranges. Vous vous rendez compte, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je veux dire, on va manger 7 oranges par jour. Mais on a 7 fois la vitamine C des oranges dans le Moringa. On a 25 fois le fer des épinards. On a 10 fois la vitamine A des carottes. On a, je veux dire, 15 fois, je veux dire, le potassium qu'on retrouve dans les bananes, etc. 9 fois les protéines du yaourt. 15... C'est incroyable. Est-ce que, d'accord, ce sont tous des produits qui sont recommandés, qui sont bons pour la santé et tout. Mais est-ce qu'on ne risque pas quand même de faire de l'excès? Et parce que bon, avec toutes ces proportions là qui sont démultipliées, et est-ce que comment s'assurer de prendre les doses requises, de ne pas faire une overdose en quelque sorte? La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas d'overdose avec le Moringa. Donc nos chers scientifiques nous disent qu'il n'y a pas de risque d'overdose. Le corps, parce que le Moringa est ce qu'on appelle un adaptagène. Et c'est quoi l'adaptagène? Ben, l'adaptagène a le pouvoir, enfin a la faculté de pouvoir s'adapter aux besoins du corps. Donc, en fait, il n'y aura jamais de surdose au Moringa en tant que tel parce qu'il s'adapte. Et là où il y a un manque, ben, le Moringa comble le manque. Et lorsqu'il y a un surplus, ben, le Moringa aide le corps à pouvoir s'équilibrer. Donc, c'est extraordinaire. Donc, ce que la compagnie fait, c'est la promotion du Moringa pour qu'on plante le Moringa à travers les pays, notamment les pays en développement. Et puis, ce Moringa est transformé, peut-être transformé aussi au niveau des pays en développement, c'est bien ça? Pas vraiment, c'est-à-dire qu'on fait la promotion d'un produit fini. Parce que ce qui arrive, c'est que le Moringa, en fait, dépendamment de où il pousse, ne va pas nécessairement avoir les mêmes éléments nutritionnels. Par exemple, quand on prend le Moringa qui pousse aux Philippines, parce qu'il pleut beaucoup aux Philippines, c'est très très humide, on se rend compte que ce Moringa-là n'a que 30 éléments de nutrition. Donc il n'y a que 30 nutriments dans le Moringa qui pousse aux Philippines, tout simplement parce qu'il pleut beaucoup. Alors, par exemple, le Moringa qui pousse donc en Inde, et nous on utilise en fait, notre compagnie utilise un Moringa qui est cultivé en Inde, et dans une région qui est très très sèche. Et qu'est-ce qui se passe là? Ben, ce Moringa est beaucoup plus riche. On a plus de 92 nutriments dans ce Moringa. Parce que vu que le climat est beaucoup plus sec, donc l'arbre doit lutter plus pour conserver les nutriments. Contrairement à là où ça pousse, où c'est beaucoup plus humide, et on n'a pas nécessairement donc, tous les éléments nutritifs à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc le fait d'avoir le Moringa dans sa cour arrière à la maison, parce qu'il y avait des pays, en Haïti ou en Afrique et tout, il y a des gens qui vont dire « oui, ça pousse chez moi à la maison ». Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on en fait en tant que tel? Oui, on peut prendre des feuilles et les sécher, mais je veux dire, juste le contact avec la chaleur, on perd toute la nutrition. Donc tous les éléments nutritifs sont évaporés. Il y en a qui prennent les feuilles de Moringa, qui les font bouillir et tout, pour toutes sortes et tout, donc au niveau alimentaire et tout. Mais encore là, on perd toutes les vitamines parce qu'on l'a fait bouillir. Donc c'est très très délicat à ce niveau-là. Donc en fait, le but de notre compagnie, c'est pas nécessairement de promouvoir le Moringa pour qu'il soit planté. Il y a des organismes qui font déjà ça, comme Vision Mondiale, a lancé un programme selon lequel, si on investit $75 à Vision Mondiale, eux vont l'investir pour que chaque famille en fait, dans les pays émergents, puisse avoir un arbre Moringa dans leur parcelle.
parce que justement, ils ont compris que ça peut en fait compléter tout ce qui manque en termes de nutrition. Mais encore là, on ne peut pas faire grand-chose avec l'arbre comme tel. Oui, on peut prendre les feuilles, on peut peut-être les faire sécher, mais on perd beaucoup dans ça. Alors nous, ce qu'on amène, c'est en fait, on amène une version du Moringa avant-gardiste, sophistiquée, extraordinaire, où la compagnie a pris près de 10 ans de recherche pour vraiment étudier tous les éléments de l'arbre. Et ce n'est pas un arbre facile à formuler. Quand on parle de formulation, c'est-à-dire de le prendre et de l'extraire en produit consommable comme tel. Quand on s'est lancé en fait là-dedans, quand la compagnie s'est lancée dans le Moringa, ils se sont demandé, mais comment ça se fait que les pharmacies ne l'offrent pas ce produit? Bonne question. Et la réponse était simple. La structure botanique était tellement complexe que justement, ça a pris 5 décennies aux industries pharmaceutiques, donc avec des échecs. Comme tel, ils n'ont jamais réussi vraiment à extraire tous les éléments et d'en faire un produit qu'on pouvait considérer bioactif et biodisponible, voulant dire que toute la séquence des enzymes demeure intacte et que tout ce qui existe sur l'arbre existe dans le produit. C'était ça le défi. Et nous, on a réussi à le faire. Donc c'est ça qui fait en sorte que, plutôt que de promouvoir la plantation du Moringa dans les différents pays, ben, nous, on offre une version finie. Un produit fini, mesuré, scientifique, etc., et qui a un but précis, c'est-à-dire que quand on donne ce sachet que les gens prennent, on sait qu'est-ce que ça va faire comme travail, c'est dosé par rapport au poids et à la taille, et on sait si ça nous prend un sachet ou deux sachets, donc on sait ce que l'on a. Donc c'est dans ce sens-là qu'on ramène quelque chose, c'est en fait, moi je le vois un peu comme le futur de la nutrition et de la stabilisation de la santé. Pourquoi je dis que c'est le futur de la nutrition et de la stabilisation de la santé? Ben, c'est parce que ben, les industries alimentaires d'aujourd'hui, quand on réfléchit bien, elles ne vont pas changer leur mandat. Sinon, elles vont perdre des milliards de dollars. Donc, ce n'est pas demain qu'elles vont revenir au naturel. Elles vont continuer la production de masse et en gardant le moins de nutriments possible. Donc, ça ne va pas changer. Donc, si on ne se prend pas en main nous-mêmes avec quelque chose qui va révolutionner la nutrition, ça ne viendra pas du système en place. Et je considère que des produits tels que le Moringa, et dans la version dans laquelle nous on l'exploite, ben ça devient le futur de la nutrition, mais aussi de la stabilisation de la santé. Pourquoi? Parce que si on prend le rapport fourni par l'Institut National de la Santé des États-Unis, qui date de 2008, ils nous ont dit en ce moment-là que le Moringa pouvait sauver des millions de vies. Pourquoi? Parce que selon la recherche et les études qui nous ont rendues disponibles, ils nous disent en fait que le Moringa a la faculté de pouvoir aider le corps humain à prévenir ou guérir plus de 300 maladies ou problèmes de santé. Donc là, on voit déjà aussi une certaine liberté à prendre par rapport au monde médical, où les gens pourraient mieux prendre leur santé en main et faire de la prévention hein, sur leur corps plutôt que c'est quand ils sont malades et qu'ils vont se faire soigner. Quoi. Mm-hmm. C'est un aspect intéressant. Absolument. Eh bien, Popo le Boy, tout c'est très intéressant. Nous sommes déjà rendus à 18h58. C'est pratiquement la fin de l'émission. Et donc, c'est la série qui se poursuit. Hein, oui. C'est la série qui se poursuit. Donc, on en saura davantage lors des prochaines émissions. Donc, voilà. Et merci à toi, Popo le Boy, d'avoir fait le déplacement. Et puis, si tu veux nous rappeler aussi un des sites de Popo le Boy. Ben, allez tout de suite consulter, donc visiter le www.lavieillimitée.com. Ok, donc voilà, je répète encore, le www.lavieillimitée.com. Et donc, vous allez avoir tous les détails donc, sur ce concept révolutionnaire de la vie illimitée, du Moringa, et comment est-ce que la vie peut changer pour toujours. Donc, concept qui nous donne en fait des outils pour révolutionner notre propre santé, mais aussi donc, avoir une porte ouverte vers le succès et la réussite personnelle. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que les activités estivales...